Et bien sûr les tous ici, Super Mizé 63 pour une nouvelle vidéo sur du Monster Hunter World Iceborne pour aller chercher le Rajang, voilà. Mais le problème, ce que je vois, c'est tuer un Kirin. Est-ce que il faut tuer un Kirin avant de tuer un Rajang? Je pense que oui, et en plus je pense que c'est un Kirin maître. Du coup, voilà. Du coup, ça va être compliqué pour moi. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai chassé juste un seul Kirin en expert. Et c'était pour débloquer le RC que j'avais. Du coup, là, c'est pour... je pense que si tu veux rencontrer le Rajang, et bah, t'es obligé de tuer un Kirin maître. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Et bah, j'ai pris des anti-paralysies pour pas être paralysé, voilà, tout simplement. Et voilà, tout simplement, et j'espère que, ouais, j'espère, je pense que je vais galérer comme en expert, en fait. Voilà, tout simplement, en expert, j'ai chassé juste une fois un Kirin, et après, c'est bon, j'ai, voilà, je vois un contrat à faire sur un Kirin ou un truc comme ça, skip, je skip, je skip. Et du coup, là, ça sera la même chose pour le rang maître. Ça sera une première et la dernière pour de chasser un Kirin en rang maître. Voilà. Et en plus, c'est en rang maître. Du coup, je pense que je vais galérer encore plus. Du coup, voilà, voilà. Du coup, on va faire ça. À mon avis, voilà. À mon avis, il sera, ça va, ça va être une galère à mon avis, comme en expert, parce que sans vous mentir, en expert j'ai galéré et je pense que je vais galérer là aussi. Du coup, voilà, voilà, c'est merveilleux, hein, Kirin, en grand maître en plus. Ah, c'est un plaisir, hein. J'aime le Kirin, hein. Vous croyez? Non, vous vous trompez, j'aime le Kirin, j'aime. J'aime ce putain de cheval, voilà, tout simplement. Du coup, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, en attendant que ça charge, lâchez un maximum de pouces bleus, ça me ferait extrêmement plaisir de votre part. Lâchez des commentaires, des questions, des idées, vous inquiétez pas, je vais les lire et je vais vous répondre. Et surtout les amis, si vous voulez me soutenir sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour rater jamais mes vidéos. Voilà, tout simplement. Du coup... voilà, voilà, du coup on va chasser un petit Kirin, et que c'est un Kirin particulier, parce que le Rajang, enfin, je pense que c'est le Rajang, parce qu'il n'y a que lui qui peut faire ça, a pété sa corne, voilà, a pété sa corne, et du coup j'ai une question, est-ce que le Kirin a sa vie à fond en fait? C'est ça le truc que je me demande. Est-ce que ce Kirin a sa vie au max? Bien, il est à partons à la recherche de voilà, demi-corne. Voilà, vous avez vu. Un Kirin avec une corne cassée, j'ai hâte de le voir. Vous voyez, du coup, ce Kirin est... bah, sa corne est pétée. Du coup, voilà, voilà. Du coup, à mon avis, c'est le Rajang qui a cassé sa corne. Et je pense qu'il y a eu une cinématique sur ça en plus. Il y avait une cinématique dans un ancien Monster Hunter. Une cinématique entre le Rajang et le Kirin. Peut-être je me trompe. Dites-moi dans les commentaires. Parce que je pense qu'il y avait dans un ancien Monster Hunter, il y avait une cinématique entre les deux. Et je pense qu'il a pété sa corne ou juste ils se sont battus. Je me rappelle plus. Et d'ailleurs, ce Rajang, c'est pas un nouveau monstre. Voilà. C'est un ancien monstre d'un des jeux Monster Hunter. Voilà, tout simplement. À mon avis, il sera pas dans la grotte. Du coup, on va suivre les lucioles. Et en tout cas, ça fait plaisir de le revoir. Voilà, tout simplement. Sengoku monstre, en fait. En mode monstre. Voilà. Pourquoi je dis ça?
Vous allez voir dans cette vidéo ou dans la prochaine vidéo. Parce que tuer le Kirin, à mon avis, on va pas tuer le Rajong ici. À mon avis, c'est tuer le Kirin, c'est pour débloquer la chasse sur le Rajong, en fait. Tout simplement. Du coup, voilà, voilà. Du coup, allons-y. Allons voir ça. Hop. On va prendre ça. Ok, parfait, on le voit. Du coup, oui. À mon avis, oui. Oui, oui, oui. À mon avis, oui, on va le tuer. On va pas chasser le Rajong tout de suite. En fait, j'ai fait tout le tour de la map, là, pour rien. Je pense que oui. C'est pas grave. Hop, on va juste préparer ça. Voilà. Du coup, je suis protégé contre la paralysie parce que je me souviens dans le Kirin, enfin en expert, c'était vraiment la galère parce qu'il me faisait que de me paralyser. Et là, non, t'inquiète pas, là, on va te déglinguer et puis c'est tout. Ok, hop, on va mettre ça. On va prendre ça. Je pense que ouais, il est en mode vénère là. Du coup, ça sert à rien de monter sur lui et de le faire manger le mur. Tout simplement. Oh, what? Ok, là c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Notre truc là. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ok. Hop. Je pense qu'il est vénère contre moi. Vous trouvez pas? Je pense que oui. Allez. Ok, parfait. Ok, je l'ai touché au moins. Hop. Oh. Wesh, il est venu jusqu'à là, le machin là. Hop, je vais sauter sur lui. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 non, 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 non. Ok. C'était une grosse attaque. Hop, on va voir ça tout de suite. Ça donne du son ou pas? Je me rappelle plus. Non, c'est contre la jeep, enfin la glace, comme vous voulez. Hop, on va mettre ça. Préparer le petit son. Hop là. En tout cas, c'est bon. Ça va, ça va, ça va, ça va. On gère, on gère, on gère, on gère. Pour le moment, pour le moment. Pour le moment. On va voir. Je pense que... Hey, il est tout le temps en mode vénère là. Je sais pas.
J'ai l'impression. Oh, 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 oh. Bah alors. Oh là là. Oh non. Ok. Il m'a enchaîné. Mon perso, il voulait pas se relever plus rapidement. Hein? Pas la peine de s'énerver. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Hop. Alors, du coup. Oui. Le monstre. Oui, le Kirin. Oui. Un monstre. Très très chiant. Hein, on va pas se mentir. Ah, j'ai pas pris les machins. Du coup, hop. Mais rentre. Il me fait des galipettes, lui. Ça va pas ou quoi? Hop, inventaire. Alors, on va faire le plein. Tac, tac. Hop, tac, tac, tac. Allez, sort de là. Hop, voilà, c'est bon. Allez, go. Que j'améliore un jour mon amplificateur parce que hein, l'amplificateur que j'ai maintenant c'est de la merde, ou sinon prendre la cape temporelle, sinon ça peut être vraiment intéressant. Alors j'ai pas bu ça, voilà. Attends, on va prendre l'amplificateur de vie. Attends. Ah, c'est où? Ok, c'est là. Il y a un chat. Je vais... Il y a les... Non, c'est pas du tout là. Non, c'est pas du tout là. Je me trompe. C'est par là. Des pingouins. Hop. Hop, en attendant qu'il discute avec lui. Moi... Je capture un pingouin. Hop. Voilà. Ah, c'est un manchot. Bon, ok, bon. Vous allez me dire, oui, c'est pas la même. Vas-y, c'est la même. Casse pas la tête. C'est... Vas-y, c'est des cousins. C'est bon, hein. Bon. Allons-y. Du coup. Ce Kirin, il est en haut. Hop. Et hop. Voilà. Tac. Alors. Allons-y. On va mettre l'amplificateur quand même. Ok. Hop, on va mettre la cape. Hop. Je vais toucher, parfait.
Approche, 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 approche. Ok, c'est mort. Viens, 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 viens. Voilà. Ça, c'est bon. Allez, on enchaîne. Maintenant, 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 maintenant. Voilà, on enchaîne. Allez, on continue. Mais oui, ça c'est bon. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il fait. Dharma, il fait le tour. Oh! On m'a enlevé toute ma vie, frère. Non? Ouf! Casse-toi, 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 casse-toi. Hey, Jay! Il est un peu en colère. Merde. Ok, je suis sonné. Je me fais déglinguer. Je me fais déglinguer. Je vais me faire déglinguer. Relève-toi, 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 relève-toi. C'est pas le moment de mourir. Parfait. Bien joué. Hop. Ok, je l'ai eu. On ramasse ça. Ok, ça va, ça va, ça va. On gère, on gère, on gère. On a encore notre chef d'orchestre qui est avec nous pour nous aider. Voilà. Ok, ok, on va gérer, on va gérer. On va réussir tranquillement. Et ça, c'est parfait. Allons-y. Il y a eu un Legiana au-dessus. Attends, là il est pas en colère, si? Non, je pense pas. Hein. Non, allez, non, 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 ça marche pas. Il est tout le temps en colère, j'ai l'impression. Ah oui, j'ai oublié de vous enlever la notif. Enfin, les notifications. Je suis désolé si ça vous gêne. Tout le temps j'oublie. Je suis vraiment désolé. Trop loin. Qu'est-ce qu'il fait? Zip. Ok, c'est pas bon là. Viens, viens, viens. Il fallait venir. Oh, il fallait venir avant. Là, c'est vraiment la galère. What? Dharma! Et n'importe quoi. Bon, j'ai tout vu ça. Il manque que des méga potions.
Bouge, 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 bouge. C'est pas le moment de mourir là. Parce que la tête d'homme, on est bien parti. Pourquoi j'ai ramassé ça moi? Ok, je passe pas. Je passe. L'orchestre n'a plus beaucoup de vie. Je vais le soigner après ce combat s'il meurt pas. Aïe. Saloperie. Ok, 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 ok. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Oh là là, oh là là, non, 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 non. Eh, la tête d'Oham. Ça va pas se passer comme ça. Eh, la tête d'Oham. Ok, il part, il part, il part. On va mettre l'amplificateur ici. Pour eux, là. Enfin, pour le chef d'orchestre. D'orchestre, pardon. J'ai pas envie qu'il part. J'ai envie de, qu'il reste avec nous. Hein. Il a cru qu'il allait partir, mais ça va pas. Hop, alors, attendez. Ok, ok, ok. Je vais juste préparer méga potion. Voilà. Comme ça, on va attendre le chef d'orchestre d'être pour qu'il soit à fond. Hop, alors, on est bientôt. Ok, bon bah, let's go, c'est parfait. Let's go, let's go, let's go. C'est parti. Ok, j'ai froid. J'ai plus de vigueur là. Ok. Ça va, show me, show me. Show me, show me, show me. Ok, alors attendez, là je vais mettre ma cape. Eh hey, mais il m'a fait mal ce fils de chien là. Oh. Ok. Je savais. Je savais. Du coup, il nous manque une seule vie. Ouais. Il nous manque une seule vie pour le tuer. Si on peut. Ok. Ça va être vraiment, vraiment compliqué. On va s'en. Allez. C'est où là? Pourquoi il me guide pas là? Ah oui, merde. Ah, c'est bon, il me guide. Let's go. Je vous jure, ça va être compliqué. Hein. Franchement. Je vais enlever ma cape. Ça sert à rien que je garde. Ça va être compliqué contre le Kirin. Je vous avoue que. Ça va être compliqué. Ça va être vraiment, vraiment compliqué, ce Kirin. Mais voilà, c'est il faut pour débloquer le Rajang. Enfin, j'espère. J'espère. Allez. Normalement, on l'a fait tomber une fois. Ouais, on l'a fait tomber une fois à mon avis, si je me trompe pas. Du coup, il faut vraiment le déglinguer là.
Oh mais quoi? Non. Oh non. Ok ok, bois 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 bois. Oh non, mais c'est une blague. Oh, mais c'est une blague, ça. Oh, c'est un cancer. Oh, ça. Mais c'est une blague, je suis sonné. Oh lolo, mais c'est une blague. Et en plus, j'ai gagné une... Ah oui, j'ai gagné une vie, je sais pas pourquoi. Bon bah, bon, je dis pas non. Je dis pas non, je dis pas non. Attendez, attendez, parce que là, là, c'est vraiment la galère. Hop. Attendez. Parce que là, non, merde, putain. J'ai envie de le terminer, mais très très rapidement, Anna. Hop, je vais ramener ça. Grand baril. Mais attends, ils sont allumés ou pas? Non, ils sont vides, Adam. Il est me douiller. Il est... Pierre unique. Ah oui. Ok. Je découvre des trucs, les gars, c'est incroyable. Bon, bah, une petite bombe à retardement. Ouais, non, c'est pas ça que je veux, moi. Artifice, non, c'est pas ça. Ils sont où, mes trucs, là? Méga bomba, une version améliorée de la grande bombe. Hein. Ok, voilà, c'est ça. Hop. Tac. Et ça. Je prends. Hop. Hop. Quand il sera KO. Voilà. Quand il va dormir. Hop. On met ce machin. Pour vraiment le déglinguer. Et d'en finir. Parce que, hein, j'ai pas envie. Parce que, voilà. Dès qu'il dort, non. Je veux qu'il meure. Voilà. Très, très rapidement. Tout simplement. Parce que, hein, ce monstre. Voilà. Pas mon kiff. Allez, tous les monstres, j'adore, j'adore. J'adore tous les monstres. Mais celui-là... Non. 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 Regarde. Fais vite. Et où il est juste là. Ok. On a l'afflux de vie. Hop, on va le mettre là. J'allais esquiver. Hein. J'allais esquiver. La tête d'homme. Oh! Oh! Oui, 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 oui! Oh oui! Oh, ça c'est bon, ça! Eh, on va le laisser tranquillement. Oh, on va le laisser tranquillement. On va le laisser dormir. En ça. Oh oui, 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 oui. Oh oui, 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 oui. Oh, nice. Oh, ça, j'aime. J'aime, 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 j'aime. Il dort. Oh. Ok, il est pas mort. J'ai cru, hein. Ok. Eh, je... Non, 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 non. Là... Alors là, mon pote...
Oh, oh, là, celle-là, c'est la meilleure. Tu vois que je vais mourir là, maintenant? Maintenant, là? Ah, c'est la meilleure, celle-là. Oula. La tête de Wham. Mais la tête de Wham, je vais pas mourir. Ah, pourquoi? Oh non! Esquive, esquive! Ok, 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 ok. Ouais, mais tout. Parce que là, la tête d'homme, là, on est bien. On a bien tout terminé. Quoi? Mais wesh, il y a une portée de ouf, le machin, là! Eh, les chats, il faut l'entamer. Il faut pas mourir, voyons. Il fait très très mal, c'est un truc de ouf. Et là, je stresse. J'ai pas envie de faire une dinguerie. C'est ça le problème. Enfin, yes! Non, eh, franchement, ce Kirin, à mon avis, il avait pas sa vie à fond. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Normalement, Kirin, c'est encore plus long. Normalement, c'est pas possible. Mais après, je me plains pas, parce que les Kirin, c'est pas mon truc. Du coup, voilà. Presque 30 minutes. Ok. Ok, ça c'est bon ça. Voilà. Parce que Kirin. Non merci. Non. Kirin, j'aime pas. En plus, il est petit, il fait mal. Vas-y, je l'aime pas du tout. Du coup. Oh, enfin. C'est bon. Ok. J'ai cru que j'allais pas réussir. En plus. J'ai cru que j'allais encore rec. La deuxième fois, du coup, voilà. Mais en fait, non. C'est nickel. Franchement, c'est nickel. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas vu le Rajang. C'est pas, à mon avis, c'est pour. À mon avis, c'est d'abord il faut tuer le Kirin pour débloquer, débloquer le Rajang, en fait, tout simplement. Hop. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mon pote. Voilà. Hop. Parfait. Unité Minustren améliorée. Si un chasseur de mion tombe au combat, il donne un objet. Ok. Ok. Pourquoi pas. Hop. Maintenant, est-ce qu'il y a une petite cinématique, une conversation? Eh ben, on va voir ça tout de suite ensemble, les amis. Voilà. Hop. Alors, attendez, oui, il y a un petit truc, en plus c'est un truc violet. C'est parti, let's go. À mon avis, il faut parler à l'amiral. Ouais. Allons-y. J'aime bien les chevaux complétés avant d'aller voir l'amiral. Ok. Bon travail. J'ai aussitôt demandé à la division analyse d'examiner Demi-Corne. On dirait qu'ils sont déjà sur le point de découvrir quelque chose. Hmm. Ah, tiens, l'écologiste en chef nous appelle. Il a sûrement terminé ses analyses. Bon, le conseil va se réunir. Viens avec moi. Ok, let's go.
cinématique ou une conversation. Salut, prof. Alors, dis-nous vite ce que tu as découvert sur Demi-Corne. Avec plaisir. Tout d'abord, nous avons examiné sa fourrure pour en savoir plus sur ses habitudes alimentaires. Oh, excusez-moi pour l'invite. En plus, je sais même pas c'est qui. Ensuite, nous avons analysé la terre trouvée sous ses sabots pour déterminer son lieu d'origine. Notre conclusion est sans appel. Il vient du fief glorieux. Il est venu d'aussi loin? Comment a-t-il fait? C'est un bon nageur. Et pour un dragon ancien, voyager sur de grandes distances n'est pas impossible. Cela dit, la raison pour laquelle sa corne a été cassée en deux est bien plus surprenante. La corne ne s'est pas fissurée au fil du temps à la suite de petites fractures, non, non. Elle a cédé d'un seul coup sous l'effet d'une force incroyable. En d'autres mots, quelque chose a volontairement brisé la corne du Kirin. Amiral, nous savons que lorsque des monstres puissants envahissent d'autres habitats, leur présence force les espèces les plus faibles à fuir. Et que l'afflux de monstres émigrant vers une nouvelle région affecte fortement l'écosystème. Pensez-vous que cela soit le cas? C'est possible. Il a peut-être fui le fief glorieux pour se réfugier dans le givre éternel. Dans ce cas, il reste une chose importante à éclaircir. Qu'est-ce qui a bien pu chasser une créature aussi puissante qu'un Kirin hors de son habitat naturel? Bon. Va falloir vérifier ça par nous-mêmes. Boss, tu nous autorises à y aller? Comme si vous alliez m'écouter. Promettez-moi juste une chose. Ne prenez pas de risques inutiles. Et en cas de pépin, laissez faire la cinquième. Te fais pas de bile. Bon, fais les préparations nécessaires et en route. Oui, je me charge de tout. Je pars en reconnaissance. Ne me faites pas attendre. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour les notifications. Nouvelle mission spéciale disponible. Montre ton visage, destructeur. Et à mon avis, là, c'est le Rajang, les amis. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Monster Hunter World Iceborne pour chasser le Rajang, tout simplement. Et normalement, dans les semaines qui... Enfin, les jours à venir ou les semaines qui arrivent, il y aura une vidéo sur la présentation de mon compte sur Bleach Brave Soul, très bientôt, normalement. Du coup, voilà, il faut juste patienter, tout simplement. Du coup, les amis, merci de m'avoir regardé et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, tchou bye et merci de m'avoir regardé, pardon.